Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours où on va pratiquer nos textures. Et pour pratiquer nos textures à l'encre, on va étudier ce coussin. Si vous connaissez, ce coussin est très connu, en fait, cette série de coussins. Ça vient d'un peintre de la Renaissance allemande qui s'appelait Dürer. Je ne sais pas comment on le prononce en allemand. Et qui a fait des trucs magnifiques. C'était un peintre, un graveur, il maîtrisait très, très bien l'encre. Regardez les peintures qu'il faisait ici, par exemple. C'était aussi, il faisait beaucoup de gravures et comment on appelle ça, le truc sur bois. Ça, c'est très très beau aussi. Regardez ses mains là où il a utilisé en fait un fond mi-teinte avec des rehauts de blanc. J'imagine si c'est une gravure, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gratté pour retirer et retrouver le blanc, je suis pas sûr, mais ces mains-là sont magnifiques, sont vraiment très très belles. Donc très très connu au 15e siècle, à la Renaissance allemande, donc l'Europe du Nord. Ce qu'on va faire, c'est étudier, celle-là je la trouve superbe aussi, hein, ce dessin-là. On va étudier ces coussins. Celui-là est très connu, le fameux lapin de Dürer, et un autre qui est très très connu. Alors ça c'est intéressant parce que cette image-là, en fait, c'est la manière dont s'imaginait Dürer un rhinocéros. Il n'avait jamais vu de sa vie un rhinocéros, et donc il en a entendu parler. On lui en a parlé, j'imagine que des explorateurs qui sont allés en Afrique lui en ont parlé. Et donc il se l'imaginait comme ça. Ça ressemblait à ça pour lui, un rhinocéros. Intéressant quand même. Alors, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va modéliser ce coussin qui fait partie d'une série de coussins de Dürer. Moi, je me suis pratiqué en fait parce qu'il fallait que je le comprenne. Il est un peu difficile à comprendre, je le trouve, et on va le modéliser. Je me suis pratiqué à regarder différentes textures et comment le modéliser. Mais dans cette pratique-là, en fait, j'ai réalisé que je ne le comprenais pas encore assez bien. J'avais besoin d'un peu plus de pratique encore pour bien le comprendre et ensuite mieux le modéliser. Alors j'en ai imprimé une copie ici qui va servir de modèle que je vais mettre devant moi. Et donc vous de votre côté, quand vous allez pratiquer, ben, je vais le mettre en superimposition à droite lors du montage vidéo. Donc vous allez le voir devant vous. Mais vous pouvez facilement le trouver sur internet. Il suffit de taper Dürer avec voilà, Dürer Pillows et vous allez le trouver. Lisez sur lui sur Wikipédia, c'est vraiment intéressant. Pourquoi on pratiquerait ça? Eh bien, parce qu'éventuellement, on va faire un travail de longue haleine comme ceci. Vous voyez, donc ça, là, c'est des arbres que j'explore. Les travaux de texture, je ne l'ai pas terminé encore ici. Il me reste le sol à faire pour le saule pleureur. Et pour le tuyau occidental, je l'ai terminé. On va travailler le jeu des valeurs, c'est-à-dire, on va jouer avec les côtés sombres, les côtés lumineux et la forme des textures pour donner un. Le sentiment du feuillu, en fait la forme de l'arbre, ça, comment il se maintient dans l'espace, ce qui tombe comme le saule pleureur, mais il tombe, mais on sent qu'il tombe en étant sculpté par les branches qu'il soutient. Et en jouant avec les valeurs, en mettant des endroits ici beaucoup plus foncés que d'autres, on sent qu'il y a des feuillus qui sont à l'avant-plan, un groupe est à l'arrière-plan. Ça demande beaucoup de préparation. Il faut préparer. Faut regarder chacune des groupes ici comme étant une masse, chacun des groupes ici. Alors il y a des masses et dans ces masses-là, il y a des parties en lumière et des parties dans l'ombre. Il faut sentir la gravité. Donc ça ressemble un peu, vous vous souvenez, au drapé qu'on faisait. Ben, ça ressemble un peu à ça. Il faut qu'on sente la gravité qui tombe, qu'on sente qu'ici, cet arbre-là a plus de maintien qu'un saule pleureur, donc la gravité a moins d'effet sur lui. On sent un peu que le saule pleureur est un peu tortueux, vous voyez. J'ai joué ici avec le manque de contraste pour qu'on sente que c'est à l'arrière-plan. Il y a des choses, il y a des feuilles à l'arrière-plan, il y en a à l'avant-plan. On va travailler tout ça, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et puis pour se pratiquer, eh ben on va faire le coussin de Dürer. Ok, c'est parti, on va faire le coussin de Dürer. On va d'abord l'analyser. Ce que je vais utiliser, c'est un HB pour faire mes lignes de construction. Et ensuite, je vais n'utiliser que deux feutres. Le Micron 0,05, donc un demi-millimètre, pour le travail de précision. Et puis le 0,1, un millimètre, quand on va faire le travail par point. Donc, on va explorer trois textures différentes pour essayer de rendre une simplification
de ce coussin. J'ai pas la prétention de faire aussi bien que Dürer. On voit ici son analyse, on voit que la lumière vient d'ici, la gauche, en haut à gauche. Puis bon, ben, il y a ça, c'est un renflement, c'est bombé par-dessus. Là, la forme, si je dessine par-dessus, ça ressemblera à ça, il y a des choses comme ça. Ici, on ne comprend pas trop la forme, mais on voit qu'ici, c'est quand même, c'est bombé comme ça. Ici, il y a des parties bombées, des parties dans l'ombre. Hein, ça, c'est, ici, c'est dans l'ombre, ici aussi. Cette forme-là, cette zone-là, est la plus difficile à comprendre, je trouve. Faut que je m'éloigne pour chercher à la comprendre. Donc, si je l'éloigne, qu'est-ce qu'on voit? On voit une partie bombée ici, c'est pour ça qu'elle est dans la lumière. Et puis, donc, elle est bombée, vous le voyez, cette forme-là ici, elle vous indique qu'elle est bombée comme ça. Et puis ensuite, ça, c'est creux. C'est donc. Il y a une partie bombée ici aussi, dans l'autre sens. Et donc, ça bombe, creuse et rebombe. Okay. Ici, c'est un creux. Et comme il y a cette partie-là qui est bombée, ben, ça met cette partie-là dans l'ombre. À part ici qui recommence à bomber, où on le retrouve un peu dans la lumière. Donc on va, écoutez, on va le simplifier, on va le faire moins complexe que ce qui est là. Et puis on va en faire trois copies en petit, parce que sinon ça prend une éternité à faire à l'encre. Donc on va faire trois petits coussins de Dürer. Et puis on va lui faire subir trois traitements différents, y compris l'ombre. Vous voyez, moi de mon côté personnellement, je trouve que le traitement de l'ombre de Dürer attire trop l'œil. Il y a autant de détails et de complexité et de contraste dans l'ombre que dans l'objet lui-même, ce qui est un peu distrayant. Quoique ça ici, ce que vous voyez ici, ça c'est un autre coussin. Si vous regardez, c'est une série de, je sais plus combien de coussins, 6 ou 8 coussins qu'il a fait. Ça c'est un autre coussin ici. Donc ça c'est l'ombre, mais ça c'est un autre coussin. Mais c'est super synthétisé. Moi je vais faire un traitement de l'ombre plus linéaire. Où il y a moins de détails pour que ça attire moins l'œil, que ça donne juste une sensation de tridimensionnalité, qu'on sente que l'objet est déposé. On va aussi créer une ligne d'horizon. Ben, ce ne sera pas une ligne d'horizon, mais on va dire c'est le bout de la table sur ce coussin-là pour donner cette impression que le coussin ben, est sur une table. Mais vous voyez, comme j'ai fait cette ligne d'horizon aussi haut ici, ça veut dire que le coussin n'est pas adossé au mur, ce qui est un peu bizarre. Il faudrait qu'il soit adossé au mur, donc. En fait, je vais plutôt faire la ligne d'horizon, pas d'horizon, mais le fond de la table, si on veut. On peut le voir comme une ligne d'horizon, c'est l'horizon de notre scène. On peut voir ça comme une boîte italienne, si on veut. C'est une scène, et puis dans cette scène-là, ben, il y a une table, un coussin sur cette table, et ce coussin-là est adossé sur le mur. Et puis en mettant la ligne plus bas ici, ben, la distance entre le coussin et le mur est plus petite, plus faible, ce qui fait qu'on peut comprendre que le coussin peut toucher au mur, est adossé, ne tient pas debout comme ça. Parce que s'il tenait debout tout seul comme ça, ben ça contredirait la forme du coussin qui est comme un drapé, comme quand on a travaillé le drapé au graphite. Ben, c'est la même chose pour le coussin, c'est sculpté par des points de tension, c'est sculpté par la gravité. Ici, le point de tension, c'est que le coussin est sur le sol ou sur la table, et puis il s'affaisse un peu à cause de la gravité, puis de la forme que quelqu'un lui a donnée en dormant dessus, et puis il tient comme ça, mais il faut qu'il soit adossé à un mur. Donc tout ça donne cette impression de réalisme. Alors ça va? On va faire ça? Alors gaffe, bah gaffe, je veux dire, faire super attention de le faire petit, sinon on va y passer la journée. Donc je vais faire le coussin. Alors, je commence par le blocking, c'est-à-dire sa forme générale. Il a une petite pente comme ça, c'est un gros carré hein, au départ. Oh, vous voyez, je le fais déjà trop grand là. Pas une bonne idée pour le faire petit. Sinon, on va y passer la journée. Donc et, voilà. Ensuite, il descend un peu comme ça. Et il fait ça un petit peu. Ensuite, il y a une partie ici. Si je le divise en son centre, pour retrouver mes repères, vers le milieu, il y a un petit changement de direction. Et vers le dernier tiers, il fait ça. Voilà. Et par rapport à ça, en fait, il descend jusqu'ici environ.
Et puis ici, c'est juste vers le premier tiers. Ça fait quelque chose comme ça. Et ensuite, il y a ça. Et vers le dernier tiers ici, il y a un creux. Donc vous voyez, pour dessiner, faire du dessin par observation, c'est faites une grille un peu comme dans un viewfinder sur votre iPhone ou votre appareil photo. Vous allez voir que en termes de composition, souvent le cadre est divisé en tiers. On appelle ça d'ailleurs la règle des tiers. Et puis bon, à peu près comme ça. Et puis si on veut faire une belle composition, bah, si on fait un portrait, on peut mettre le sujet principal en plein centre. Mais souvent, si on veut faire une belle composition, le sujet principal devrait se trouver un des tiers de l'image, ici, là, là ou là. Et puis ensuite, il peut y avoir des éléments, un background, etc. Donc, mais bon, on n'a pas encore abordé les règles de composition. Mais je divise mon cadre en tiers et en demi également. Et puis je me base là-dessus pour déterminer un peu la forme que ça a. Donc vers le milieu ici, ça fait ça. Un petit peu plus bas que le milieu. Ensuite ici, vers le tiers, j'ai un creux. Donc ça c'est le bloc 1, ça c'est la forme globale. Ici c'est un peu trop penché. Juste les grandes diagonales de mon coussin. Alors je vais répéter ça ici. Voilà mon deuxième, et puis on va en faire un troisième ici. Ok, maintenant que là j'ai le bloc in de mon coussin, maintenant on va raffiner le contour et puis analyser un peu les formes et les simplifier parce qu'il est assez complexe son coussin. On va le simplifier. Donc la première chose que je vais faire c'est estomper. J'ai une espèce de renflement ici. Qui vous voyez, ouh, qui fait ça, hein. Il y a cette grande forme ici qui fait ça comme ça et qui vient jusque là. Donc il y a cette espèce de d'immense diagonale qui est renflée comme ça. Ici, il y a une série de plis après. De ce grand renflement, j'ai cette partie qui est creuse, qui est très creuse. Et ensuite, il y a un autre creux ici. Et il y a un creux ici qui rentre dans ce renflement. Donc j'ai un creux ici qui rentre dans le renflement. Et finalement, oups, ici. Voilà. Et c'est assez. Et donc, pour l'instant, on ne comprend pas grand-chose, mais vous allez voir, si je mets de l'ombrage, on va comprendre. Ici, ça fait ça. Donc ça, c'est globalement les règles générales dans l'ombre. Cette partie-là également qui fait, attendez voir, donc ça c'est dans l'ombre, ça monte ici. Ici j'ai un, voilà, ça fait ça, cette partie-là jusqu'ici est renflée, ce qui fait que ça c'est dans l'ombre ici. Et ici, je vais quand même amener un peu de détails. J'ai cette partie-là ici qui est, partie-là est dans l'ombre et cette partie-là aussi parce qu'elle descend. Et on a une partie ici qui est dans l'ombre. Voilà. Quelque chose comme ça, puis c'est assez. Maintenant, on va raffiner. Donc raffinons le coussin. Voilà mon coussin de Durer, c'est assez. Et puis analysons si on, regardons si on comprend bien. Ici ça va, je comprends. Ici ça va aussi. Ici, je le sens. Ouais, je sens le renflement. Ici, ça va aussi. Ici, ça va moins bien. Ici, je comprends pas.
cette partie-là, j'ai besoin, en fait, je vais mettre tout ça dans l'ombre de mon côté, parce que sinon c'est un peu difficile à comprendre. Ici, il y a comme une partie renflée ici qui redescend. Donc je crois qu'on a besoin d'un petit triangle ici, comme ça. Donc je comprends pas mal ici. Ici, je le comprends moins. C'est une partie du coussin d'Urer que j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre, en fait, cette partie-là ici. J'ai envie de la refaire pour qu'elle nous convienne, en fait, parce que je comprends pas la relation entre ça et ça. Si ça, c'est dans la lumière, bah, c'est bizarre que ça descende après. Alors, on va le laisser dans la lumière. Moi, j'ai envie de le laisser dans la lumière. Voilà. Puis peut-être qu'il y aurait une partie ici dans l'ombre, voilà. Ok, là je le comprends mieux. Et puis on va dire qu'à partir d'ici, vous voyez, c'est dans l'ombre, voilà. Ok, là je le comprends mieux. Je vois le renflement maintenant ici. Alors on y va, puis on fera l'autre. Non, on va faire tout de suite l'autre. Les trois en fait, on va les modéliser. Et là, là j'aimerais bien être dans le numérique. Parce que c'est tellement plus simple, j'aurais juste à faire copier-coller. Je vais simplifier, ça je vais l'enlever ici. Alors, comme vous pouvez voir, je schématise, je simplifie. C'est important de comprendre ce qui se passe avant d'aller dans les détails. Et c'est facile de tomber dans le piège, moi je tombe tout le temps dans ce piège-là, de tomber dans le piège de détails. Mais il faut éviter ça, et éviter, éviter. Regardez d'abord les grandes formes. Alors voici nos trois coussins. Donc j'ai un bout de table ici. C'est le fond de ma table, et donc là c'est le mur. Et déjà, on sent l'assise. Et puis ce serait bien si je faisais, si je faisais, à moins qu'on ait la tête penchée, ou qu'on ait tourné la caméra, ce serait bien si je faisais une ligne d'horizon qui soit droite. Ça pourrait aider. Voilà, alors on y va. Fini avec le HB. On va utiliser maintenant. Le 0,5, le voilà. Ok, donc pigma micron 0,05. Pardon, pas le 0,5, mais le 0,05, c'est un demi-millimètre, c'est tout petit. Premier rendu, on va utiliser des hachures qui épousent la forme de mon coussin. Donc on va suivre les volumes. Ok, ici on avait dit que c'est enflé comme ça. Alors je vais faire. Tiens, je vais commencer par les contours, et comme ici c'est dans la lumière, je vais le faire des fois même qu'on ne le voit pas, sauf quand c'est dans l'ombre. Voilà. Et ici, vu que je suis dans l'ombre, je vais le faire plus foncé. Ici plus mince. Même que je vais sauter certains endroits. Voilà, c'est assez. Et maintenant, il faut se concentrer. Oh, parce qu'on va essayer d'épouser les volumes. Alors ici, je me dis c'est renflé, boum, hein,
vers l'intérieur comme ça. Alors je vais le faire. Est-ce qu'il est comme ça ou comme ça? Il est comme ça. Donc je vais le faire. Et il y en a un petit peu ici aussi. Voilà. Ça c'est pas besoin de plus pour l'instant. Ok? Pas besoin de plus pour l'instant. Ici, il fait ça. Boop, 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 boop. Et il y a une partie ici qui fait wouh. Donc, nos hachures, qu'est-ce qu'elles font? Elles suivent la forme du volume. Okay, vous voyez déjà que là, on le sent que ça fait. C'est bombé comme ça, là. C'est bombé comme ça. Okay? Alors, on y va doucement. Ici, je vois que ça fait quelque chose comme ça. Et il y a une partie ici qui fait ouh, ouh, ouh. Voilà. Ici, ça va, ça s'éloigne comme ça, donc je lui donne sa forme. Venons ici. C'est bombé ici, puis ça descend. Donc ça descend. Et ensuite, voilà. Ensuite, ça remonte ici. Et ici, on va dire, c'est presque. C'est, vous voyez là, c'est presque droit ici. Là, c'est presque géométrique. Alors, on va le garder comme ça. Et là, ça fait ça comme ça. Voilà. Ici, il est côté bombé dans ce sens-là. Et qui ensuite fait ça. Ici, c'est très noir. C'est vraiment dans l'ombre. Ici, on a un creux qui descend. Mais faible. Il y en a très peu ici. Celui-là, j'aime pas comment Dürer l'a fait. Mais est-ce qu'on peut le faire autrement? Si je suis les volets, moi j'ai l'impression que ça fait plutôt. Ça tourne comme ça dans l'ombre. Donc, si je fais ça. Voilà, ça va comme ça. Là. Ici, j'ai une partie qui fait ça. Et ensuite, ça va dans l'ombre comme ça. Si j'ai envie de le faire bien géométrique, pourquoi pas. Donc, vous voyez, juste avec ça, on comprend déjà les volumes. Ici, ça renfle comme ça. Et ça fait quelque chose comme ça. Est-ce que ça fait ça ou ça? Non, ça fait comme ça, voilà. Ici. Ici, j'aimerais bien aller super géométrique, pourquoi pas. Et là, c'est la partie délicate. Moi, j'ai envie de le voir gonfler comme ça. Contrairement à ce que Dürer a fait. Bon, on va essayer de faire ce que Dürer a fait. C'est-à-dire, j'ai ça, c'est bon. Donc ça c'est renflé comme ça, ok. Et ici, il y a comme un renflement dans l'autre sens. Il fait ça ou il fait ça. Alors, analysons. J'ai un creux ici, pas un creux mais ici c'est bombé. Donc c'est un peu bombé ici. Voilà. Et ça fait quelque chose comme ça. Vous voyez, j'y vais doucement, doucement, prudemment, pour tenter de comprendre ce qui se passe. Et je crois que j'ai compris. Voilà. Ok, alors ce qu'on va faire, je vais faire ma ligne d'horizon ici. Je vais utiliser le 1 mm ici pour faire une belle ligne d'horizon. Enfin, je l'appelle la ligne d'horizon, vous avez compris, c'est le bout de la table, le début du mur. Je vais attendre que ça sèche un peu pour pas faire de,
comme dit James Duhallier, James Duhallier, c'est un Australien qui fait des magnifiques vidéos vraiment intéressantes sur comment peindre avec Procreate. Ces techniques sont très différentes, mais il y a des choses vraiment intéressantes à apprendre. C'est que quelqu'un est très très bien Procreate. Il a un accent australien, j'aime bien, il dit smudge. Vous savez, l'estompage, la smudge, lui il appelle ça smudge, you have to smudge it, j'adore. Ok, bon, mais je crois que c'est assez sec. On va effacer, enlever nos lignes pour voir de quoi ça a l'air. Oups, faut pas que j'efface ici, j'ai pas terminé. Donc j'efface juste cette partie-là ici. Ok. Alors regardez, je m'éloigne un peu, puis on comprend bien les volumes, règle générale. Puis si on a fait des petites erreurs, ben. Hey, on s'en fout un peu. Bon, maintenant j'y vais avec les valeurs, c'est-à-dire quels sont les endroits les plus foncés. Plus un endroit va être foncé, plus ça va nous donner une sensation de creux, hein, que c'est creux. Et il y a des lignes franches ici, par exemple, comme ça. Ça, c'est des lignes franches. Parce que, ben, voilà, il y a un contour, là, on le sent. Ah, il est là. Il est là, il est là, il est là. Ici aussi et ici. Alors ici il y a pas mal plus d'ondes, donc je vais, si ça fait ça, boum boum boum, je peux réinsister, je peux continuer à faire des lignes dans le même sens et voilà, c'est assez. Je peux aussi voir ce que le volume aussi fait ça, donc je peux faire quelques lignes comme ça va fonctionner aussi. Ici, juste pour donner une idée. Juste ça, c'est assez. Ici, ah oui, j'ai oublié, il y a un petit bout ici que j'ai oublié de faire. Donc là, j'ai une partie qui fait comme ça. Et ici, c'est assez franc. Voilà. Vous voyez? Juste ça, c'est assez. Ici, je vais juste rajouter quelques lignes pour donner cette sensation que ça descend. Ici, c'est une rivière, vous voyez, qui coule, donc je vais la faire. J'ai une rivière qui coule. Attention de pas trop en mettre. Il faut qu'on ait cette sensation que ici, il y a plus de lumière que là. Donc, je vais insister un peu ici parce que cette partie-là est vraiment dans l'ombre. Voilà. Ici, c'est dans la lumière, j'en ai assez. Peut-être un peu plus ici. Et j'ai une petite ligne ici qui fait ça. C'est assez. C'est vraiment délicat. Faut faire attention de ne pas trop en faire. Ici, c'est plus dans l'ombre. Ici, je vais créer une petite continuité. Voilà. Et là, ça, c'est vraiment dans l'ombre ici. Ok. Il y a trop de lumière ici, donc je reviens. Et là, je peux. Il y a aussi, il fait aussi ça. Donc, je vais le faire. Il a cette forme-là ici aussi. Et puis, il remonte. J'ai une grande ligne directrice ici. Ici, il y a quand même. C'est pas franc, franc, franc. Il y a un petit peu de. Oups, après ça, ça se promène. Et ici, je veux que ça soit vraiment dans l'ombre ici pour qu'on sente que. Il peut pas y avoir de lumière là, qu'on sente que oh, c'est vraiment creux. Ici aussi, cette partie-là, je veux que ce soit vraiment beaucoup d'ombre. Voilà. Ici aussi, un petit peu. Ici, j'aimerais bien plus d'ombre là. Et ici, ça fait quelque chose comme ça. Et j'ai de l'ombre ici. Je retourne dans l'ombre ici. Ça, c'est pas mal dans l'ombre. Surtout cette partie-là. Un petit peu moins ici. Ici, c'est également pas mal dans l'ombre. Et là, il faut qu'on sente que ça fait ça. Donc, il y a une partie ici qui renfle. Et il y a une partie ici qui descend. Et hop, vous voyez qu'ici, on comprend plus ce qui se passe. Donc, bon, ben, on va faire avec.
On va faire avec, j'ai trop insisté ici. Ça l'arrive, comme on dit. D'affaire qu'il arrive. Mais c'est pas, vous voyez, est-ce que vous voyez qu'on ne le comprend pas trop, on ne comprend plus ici là. Donc là, le problème, c'est que si j'essaye de corriger, eh ben, je vais juste rajouter trop de contraste, ce qui n'est pas une bonne idée. Alors, je vais quand même essayer de. Voilà, c'est déjà un peu mieux. C'est-à-dire que maintenant, étant donné que j'ai mis trop de contraste ici, c'est pas normal que ça se soit autant dans la lumière. Donc, je vais le mettre un peu plus dans l'ombre. Surtout cette partie-là. Et voilà, qu'il soit bombé comme ça. Avec une partie ici qui est vraiment dans le creux. Bon, ben, c'est déjà un peu mieux. Voilà, quelque chose comme ça. Donc. Plus d'ombre ici que là. Ok. Voilà. Et donc, un peu progressif ici, on revient vers la lumière. Ok. Et quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? J'ai envie de me mettre un peu plus ici. J'ai envie qu'en bas ici, il y a quand même plus de. Et là, ça peut pas être aussi franc. Et on va le faire un peu progressif ici. Donc. Et voilà, pas touche, fini. Peut-être un peu ici. Ouais. Ok. Et moi, je dis que j'ai terminé. Je m'éloigne un peu. Bah voilà, grosso modo, je le comprends. Alors, si on voulait faire vraiment quelque chose de super beau, ben. On passerait beaucoup plus de temps et moi j'aime pas trop ce que j'ai fait ici, on comprend pas trop ce qui se passe là, mais bon, pour les buts de l'exercice, ça va. Donc ça, ce serait à refaire, cette partie-là, mais là je peux plus parce que plus je vais l'attaquer, plus je vais la rendre sombre, plus je vais la rendre foncée et moins on va comprendre. Ok, ça fonctionne. Donc ça, c'est la technique où il faut suivre les volumes. Prochaine technique ici, on va y aller avec des hachures géométriques. Donc je vais appeler ça des hachures géométriques, c'est plus schématisé, croisé. Alors ça va donner un effet. Plus géométrique justement, donc je vais utiliser encore une fois mon Micron 005 et je vais commencer par le contour. Là, je vais faire des contours plus droits, des traits, des lignes plus droites plutôt qu'arrondies, puisqu'on essaye, en fait, on donne un style plus schématisé avec les hachures qu'on va faire. Et là, je vais quand même suivre les volumes, c'est important. Si on ne suit pas les volumes, ça aplatit. Ok? Ça peut être un style, mais on va suivre le volume avec des lignes droites et non pas des lignes arrondies. Alors, je vais commencer par lui ici. Cette partie-là fait ça. Et elle est beaucoup dans la lumière. Il y a cette partie-là qui fait ça, qui est aussi dans la lumière. Et ensuite, il y a le ruisseau ici, à l'intérieur de la vallée, qui fait quelque chose comme ça. Ici, j'ai un peu, et j'ai un creux ici qui fait ça. Vous voyez, là, j'ai eu tendance à arrondir. On va éviter ça. Ah, vous voyez, on ne peut pas résister, hein, je reviens. Non, mais je l'ai réparé un peu, surtout si je mets moins de lumière ici. Avec un truc progressif. Bon. Mais vous voyez, j'aime pas. Ça ici, je l'ai raté. Vous n'allez pas m'en vouloir, hein. Moi, je m'en veux pas. Ça fait partie de la game, comme qu'on dit. Ici,
ça descend comme ça. Et vous voyez, je vais essayer d'éviter de faire la gaffe ici. Alors ici, on sait que ça fait ça comme ça. Avec un petit peu ici. Et là, donc j'ai un renflement qui vient ici. Et là, ça. On va essayer ça. Il y a un petit creux comme ça. Donc il y a un creux, puis qui rebondit ici. Voilà. Est-ce que c'est assez? On va laisser sécher un peu. Et puis, je vais effacer. Vous voyez que j'efface d'abord dans la partie qui est bien sèche. Ouh, j'ai oublié ça ici. J'oublie toujours cette partie-là. Ben voilà, déjà on comprend quand même pas mal. Et maintenant on y va, comme ici. Oh, puis il y a cette partie-là que j'ai oubliée aussi, qui est une forme triangulaire. On va maintenant faire des hachures à 90 degrés. Enfin, on va suivre le volume, mais dans à peu près à 90 degrés par rapport à... Parce que un volume, il y a plusieurs sens pour parcourir un volume. Si je fais un cylindre, est-ce que vous le voyez ici, mon cylindre? Est-ce qu'on le voit? Non, il est trop haut, ici. Ok. Si je fais un cylindre ici, ok, ben, le volume fait ça, mais le volume fait ça aussi. Ok, il y a au moins deux directions, deux ou trois directions dans lesquelles on peut parcourir le volume. Si la lumière vient d'ici, vous vous souvenez, on disait que cette partie-là est dans l'ombre. Mais le volume fait ça aussi. Vous voyez? Donc, je peux parcourir au moins dans deux directions différentes, et même plus, les volumes. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc maintenant, je vais parcourir, si le volume fait ça, il fait aussi ça. Alors, je vais faire ça. Un peu mieux si vous voyez ce qu'on comprend pas ici, j'y reviens là, c'est que si c'est bombé comme ça, il devrait avoir plus de lumière là qu'ici. C'est un peu mieux là, on comprend mieux, c'est comme si c'était vraiment dans le noir, mais il peut pas être. Vous voyez comment on tombe dans le piège, il peut pas avoir plus de lumière ici que là. Donc en fait cette partie là devrait être beaucoup plus dans l'ombre. Et là, on n'en sort plus, là. Parce que, bon, mais si on met trop d'ombre ici, il va falloir corriger plus loin. Mais si on regarde de loin, ça a bien de l'allure, quand même. J'y toucherai plus. Promis! Alors, revenons ici. J'ai des trucs bombés comme ça, ici. Ça bombe comme ça. Ça bombe comme ça. Si ça rebondit, donc il y a moins d'ombre, il y a plus d'ombre ici. On va assombrir ici parce que c'est vraiment dans l'ombre ici. Il y a quand même une partie ici, c'est pas si franc. Ici, j'ai beaucoup d'ombre. Ici, j'ai beaucoup, beaucoup d'ombre. Surtout à l'intérieur du creux ici du coussin. Et voilà, c'est assez. Peut-être juste un petit peu ici comme ça et un petit peu là. Voilà. Ici, j'ai envie de quand même indiquer que c'est pas. Il y a un petit arrondi quand même. Et puis voilà, c'est assez. Donc je vais encore une fois m'éloigner un peu. Oh, j'aimerais bien mettre un peu ici. Et voilà, je pense que c'est assez. J'aimerais le faire dépasser ici un peu. Voilà, comme ça. Plus d'ombre ici. Est-ce qu'on décrète que c'est assez? Je vais faire un trait ici, un trait là comme ça. Et voilà, on touche plus. Donc voici mon coussin de Dürer, schématisé différemment.
J'ai envie de lui mettre plus d'ombre ici. J'ai envie d'un peu plus d'ombre ici. Parce qu'il y a un petit creux là. Il y a comme un renflement ici, hein, vous le voyez. Qui va dans cette direction, puis ensuite dans celle-ci. Voilà. Vous voyez, on le sent. Donc ça ressemble, hein. On devine les mêmes formes qu'ici. Et là, en fait, si j'ai ça, j'ai besoin d'un. J'ai besoin de sentir ici que ça va jusque-là. Et il y a juste ici, c'est un peu trop franc. Donc, je vais juste mettre quelques traits ici. Et c'est assez. Ici, j'ai trop de lumière. Surtout dans cette partie-là. Donc, je vais la réduire. Ici, ça a de l'allure d'avoir de la lumière, mais pas de temps ici. Voilà. C'est beau. Alors, voici mon deuxième coussin de Dürer. Enfin, une interprétation. Et là, on va lui faire l'ombre. Et là, je ne veux pas faire l'ombre comme Dürer. Je vais faire des traits qui attirent moins l'attention. Donc ici, il y a un point de contact, forcément. On va dire qu'ici, ça ne touche pas. Il y a un autre point de contact ici. Ici, il y a un point de contact bien important. Mais à partir de là, on est déjà derrière le coussin. Donc, déjà pas de contact. Et ici, vous voyez, j'aurais dû l'éloigner. Parce que ça, ça touche, mais pas tant ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bon, c'est pas grave, on va le corriger ici. Donc, je vais faire le même ombrage ici. Et voilà, vous voyez, déjà on sent qu'il touche au sol. Et même que, en fait, j'ai fait ça trop bas, trop fort ici, c'est cette petite enflure ici, là. Et c'est bizarre, on dit, ben, le coussin, c'est bizarre qu'il tienne comme ça aussi, de manière aussi rigide là-dessus. Il devrait s'affaisser à ce niveau-ci. Alors voilà, en commençant le dessin réaliste, on réalise ce qui se passe. Et c'est bon signe, en fait, si on le sent, c'est que bon, ben, je me suis rapproché là de l'effet de réalisme que je cherchais. Et vous voyez, ce coussin ici, en fait, va être plus réaliste dans sa descente. Et en fait, vous voyez, c'est même mieux d'avoir fait l'ombre ici. Je vais la prolonger pour indiquer peut-être qu'il est un peu déformé puis que ça touche. Et là, tout d'un coup, ça a l'air moins bizarre. Et en fait, ici, tout ça est un peu dans l'ombre. Parce que la lumière ne touche pas. La lumière ne traverse pas. Pardon, ne traverse pas le coussin. Ceci dit, je laisse une zone ici dans la lumière pour indiquer que ça touche pas là, au sol. C'est juste là où ça touche, évidemment, c'est beaucoup plus foncé. Et voilà, donc jusqu'au mur. Et voilà, voilà nos deux coussins donc. Traitement qui suit les volumes avec des lignes droites. Et ici, le dernier, on va faire un traitement par points. Et là, je vais utiliser mon... en fait, le 0,1, dont je me suis servi pour faire l'ombre. Et là, on va faire des points seulement. Je vais commencer par le contour. Et pour le contour, je vais pas tout faire quand c'est dans la lumière. Et là, on va y aller par passe. Donc, je vais faire une première passe qui est en fait les zones où il y a de l'ombre, mais où c'est le plus éclairé. Et je vais faire à peu près la même quantité donc de lumière partout avec cette passe-là. Donc, ça, c'est notre première passe, évidemment. Un peu comme l'aquarelle. Avec l'encre, il faut aller du plus clair au plus foncé. On ne peut pas rendre plus clair une zone foncée. Donc faut planifier nos affaires. En m'éloignant ici, je réalise qu'il y a des parties qui ont encore trop de lumière. Je
vais juste revenir. Oups, il faut que j'aille avec un 005. Et refaire les formes légèrement pour que ce soit moins franc. Plissez les yeux. Si vous plissez les yeux, vous allez voir, vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Et ça va vous permettre de mieux sentir. Comme vous voyez, ça ici, c'est comme un peu trop... Ah, c'est mieux ça. Avec un petit trait ici comme ça. Voilà. Oh oui, j'aime bien ça. Donc je vais le faire ici aussi. Voilà, c'est mieux. Ok, donc on revient à celui-ci avec le 01. Et on continue. On avait dit donc première passe. Suivant les guides indiqués par notre crayonné. Ah, j'ai pas oublié celui-là cette fois-ci. Nya, 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 nya. Ok. C'est pas grave si j'y vais de manière un peu symétrique et géométrique, parce que tout à l'heure je vais revenir et rajouter plusieurs passes. On a au moins 3 ou 4 niveaux de valeur, c'est-à-dire de zones plus ou moins foncées, et ça va donner l'effet chaotique désiré. La technique par points est vraiment géniale, mais très longue, ça prend beaucoup de temps et il faut prendre son temps, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait. Parce que, bah, pour, comme pour tout le reste, avec l'encre, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que c'est fait, c'est fait. Ce qui a un petit côté génial quand même. Vous trouvez pas? C'est-à-dire que, bon ben, voilà, faut faire avec, c'est fait. Faut se compromettre. Ici, je vais rajouter un peu de bruit, voyez, que je ferai tout à l'heure aussi. Ça ne s'arrête jamais de manière franche, surtout pas sur un objet organique. Ok, terminé. Oups. Donc là, ce qu'on va faire, c'est effacer. On va attendre que ça sèche un peu. Alors, ça a séché, je vais effacer. Rien que ça, moi, je trouve ça cool. Juste ceci, là, c'est vraiment cool. Alors maintenant, agissons avec prudence, parcimonie et réflexion. Ici, il y a de l'ombre. Beaucoup ici, puis qui va en s'amenuisant. Voilà. Et j'appuie pas plus fort hein, pour faire de l'ombre, je fais juste mettre plus de points. J'aimerais qu'on sente le pli ici. Ici aussi, j'aimerais qu'on sente le pli. Donc un peu de points en haut, mais beaucoup de points en bas ici, juste au niveau de la ligne. Même chose ici. Beaucoup en bas. Et puis un peu clairsemé en haut. Et là j'appuie moins fort, ça fait des plus petits points, un diamètre plus petit. Ça donne ce que je recherche. Alors ici, beaucoup d'ombre. Avec un petit chouïa ici. Je vais me tracer mon ruisseau. Chaque fois que j'entends un hélico, moi je... Ce qui me vient en tête, c'est... You! Yes, you! Stand still, lady! How can you have any pudding if we don't eat your meat? Voilà, à chaque fois. J'allais dire, je suis un peu dingue. Mais c'est Pink Floyd, hein. Ouh, que ça donne un bel effet, moi. J'adore l'effet que ça donne. Vraiment, vraiment cool. Et là, ça devient important de comparer. Est-ce que il y a plus de lumière ici que là? Oui, ça se peut, mais moi je non, un peu plus sombre ici, tiens. Donc je rajoute des points. C'est important qu'on sente pas une ligne franche. Donc dépasser, sauf à certains endroits comme ici. Ici, je veux qu'on sente la ligne franche, mais il y a quand même des petits bouts, des renflements, c'est organique. Alors oui, c'est très très sombre ici, puis ça va en s'éclaircissant. Oh, que j'aime ça. J'adore l'effet que ça fait. Ici, j'aimerais bien qu'il y ait une progression plus douce. C'est un bord mou. C'est pas franc. Voilà, progression plus douce comme ça. Ici, j'aimerais bien qu'on sente un ouh, donc
un peu plus ici. Et hop, ça glisse là. Chose comme ça. Si c'est un peu trop répétitif, vous voyez ici là, pareil, 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 j'aime moins ça. Donc lui, je vais le continuer. Lui, je vais le rendre plus triangulaire. C'est déjà mieux. Celui-là, je le comprends pas assez. Il devrait avoir une plus grande continuité là. Et là, le piège, en fait, c'est que en ayant décidé de la valeur ici, sombre, ben on a décidé de celle-ci, parce qu'il faut garder une certaine logique, la lumière vient d'ici. Si ça c'est plus creux qu'ici, c'est plus caché, il y a moins de lumière, ben il faut que ça soit plus sombre que ça. Donc il faut penser à tout ça quand on dessine à l'encre, parce qu'on ne peut pas corriger après, on ne peut pas éclaircir, on ne peut que foncer. Un peu comme avec l'aquarelle. C'est pour ça que j'aime l'encre. Parce que j'aime beaucoup aussi l'aquarelle. Parce qu'il y a cette contrainte qui, moi, en fait, au début, j'ai trouvé ça très très difficile. Puis finalement, je trouve ça libérateur parce que ça me donne un cadre. Et je ne suis pas encore assez confiant pour aller dans tous les sens sans cadre. Surtout en couleur. Donc j'ai besoin d'avoir comme des espèces de règles strictes. C'est mon côté ingénieur, mon côté un peu obsessif. Alors oui, dessiner. Ça nous oblige à nous connaître un peu. Ici, 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 il faut que ça soit au moins aussi foncé qu'ici. C'est pas possible qu'il y ait plus de lumière là que là. Et vous voyez, j'aurais aimé, en fait, avec un peu de recul, j'aurais aimé faire ça moins foncé. Parce que j'aime bien le rendu ici, j'ai pas envie de le faire plus, mais. J'ai presque pas le choix parce que ça. Faut que ça se rapproche plus de ça. Donc on y va. Mais je crois qu'on va avoir un beau résultat. Et vous voyez que je sens ici le renflement général. Mais donc on a besoin d'un peu de. Un peu de bruit. C'est pas franc. Ici, un petit peu. Voilà. Un petit peu de bruit ici. Et donc on va foncer ici. Toute cette partie-là. Voilà, moi je dis que c'est assez. On pourrait y passer des heures. Puis un petit peu d'ombre. Encore une fois, l'ombre, je vais la faire comme tantôt, juste comme ça. Donc ici, ce sont, pendant que j'écris, l'encre a le temps de sécher. Hachure pointillée que j'aime beaucoup beaucoup faire, mais my god que c'est long, puis j'ai tendance à crisper. Alors réfléchissez régulièrement, pensez à détendre votre main, ne restez pas crispé. Souvent la nervosité, la peur de rater, surtout à l'encre, vont nous crisper. Faut pas. Ici, en fait, plus proche du coussin, faut que ça soit plus haut qu'en s'éloignant du coussin. Puis bah, je pense qu'on a fini, hein. Ouais. Alors voilà. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris. Je vais effacer ce qui reste un peu de crayon ici, en espérant que ça fasse pas. Vous voyez, c'est ce que j'aime des pigments micron, ça sèche tellement vite. Mais attendez, donnez-vous quelques secondes que ça sèche. Puis quand on fera de l'encre de Chine, là, vous allez voir qu'on peut pas faire ça. Faut vraiment attendre que ça sèche avant de pouvoir effacer. Alors voilà notre interprétation de trois manières différentes, assurer trois manières différentes des coussins d'un des coussins de Dürer, qu'on a simplifié évidemment. Et ici, attendez, attendez, il y a une petite chose que j'ai pas réussi à rendre ici, c'est l'effet de creux. L'effet qu'il y a un repli qui descend,
Alors, je vais simplement insister, faire une ligne plus franche, plus noire ici. Il faut qu'il y ait très peu de zones blanches quand c'est comme ça, des traits très francs. Et puis voilà, c'est assez. Alors, bon dessin, amusez-vous bien. Et on se voit au prochain cours, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, pourquoi on a fait ça? C'est pour éventuellement, comme je disais, réussir à faire des choses comme ça. Okay, des choses plus organiques, plus travaillées, plus planifiées. Puis peut-être qu'on va revenir, on va voir un autre drapé qu'on a fait au graphite. Alors, vous vous souvenez du drapé qu'on avait fait? Peut-être qu'on en ferait une version à l'encre. C'est beaucoup de travail à l'encre. Est-ce qu'on le voit au complet? Je pense que oui. C'est beaucoup de travail de le faire à l'encre. On peut pas. En fait, c'est difficile d'obtenir quelque chose d'aussi subtil et précis qu'au graphite. Mais on va quand même essayer, voir ce que ça donne. Peut-être qu'on fera ça. En tout cas, ça fera partie des projets de longue haleine. Les arbres, les drapés, les mains aussi, peut-être dessiner des mains. On reviendra aussi au graphite, ne vous inquiétez pas. Et puis, éventuellement, on fera aussi du dessin d'architecture. Dessin d'architecture, dessin urbain, je dirais. À l'encre et avec des lavis d'aquarelle, ça c'est super sympathique à faire. Ça va vous ramener au cours de perspective que j'ai donné au début. Là, ça deviendra vraiment important de comprendre la perspective. Mais bon, bref, donc là on a fait trois coussins. Alors bon dessin, travaillez vos coussins, essayez ces trois types de hachures et surtout amusez-vous bien. À bientôt.